Bon, je vais d'abord commencer par décrire le premier modèle ou le premier cadre de pensée. Qu'est-ce que c'est qu'un processus évolutionniste d'innovation fondé sur la connaissance? Alors, j'en ai déjà parlé dans le module 0, dans l'introduction, et je vais le reprendre ici. Donc, on va partir, puisque c'est basé, c'est fondé sur les connaissances, on va partir du patrimoine de connaissances déjà existant. Donc on part d'un patrimoine de connaissances qui existe dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait avec? On fait ce que j'appelle le knowledge drilling. Knowledge drilling, on pourrait le traduire en français par archéologie des connaissances. En anglais, ça veut dire forage. Le drilling, c'est le forage. Donc forage des connaissances ou l'archéologie des connaissances. Donc en gros, j'ai un océan de connaissances et puis je vais me mettre une plateforme comme les plateformes pétrolières et puis je vais creuser. Je vais creuser dans cet océan, au fond des océans, pour essayer de faire jaillir du pétrole qui serait des nouvelles idées. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Hein, pour développer un petit peu ce concept de knowledge drilling. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le patrimoine de connaissances? Eh bien, on va faire de l'histoire. On va regarder comment ont évolué les idées, les concepts, les objets, les solutions qu'on a amenées au fur et à mesure de l'entreprise. Donc, on va retracer l'historique des idées. On va créer des arbres généalogiques, par exemple, de solutions qui ont évolué au cours du temps, hein, des solutions innovantes. On va retracer des expériences. On peut remonter très, très, très loin, de manière très lointaine, hein, vous le verrez dans les exemples. Alors, on ne peut faire ça qu'avec des experts, qu'avec des gens qui ont connu, qui sont capables d'interpréter le passé. Et malheureusement, bien sûr, ils sont de plus en plus rares. Et c'est difficile parfois. Donc, il s'agit vraiment d'archéologie. Dans les expériences que j'ai menées, on a vraiment l'impression de faire des fouilles archéologiques dans les connaissances d'antan. Et ça pose des problèmes carrément d'historien. Et d'ailleurs, on a déjà utilisé des modèles d'histoire. Je crois que je vous en ai parlé un petit peu sur un certain nombre de modélisations de connaissances. Donc, on va aller chercher dans le passé des histoires, des lignées, des expériences, et puis on va en faire une analyse. On va en faire une analyse, à savoir pourquoi on a évolué comme ça, quelles ont été les raisons qui font qu'on a avancé dans cette direction et pas dans une autre. Alors, parfois, on retrouve ces raisons-là, mais pas toujours. Quelles ont été les lois d'évolution, en fait. On va essayer d'identifier les lois d'évolution. Alors, pour ça, on peut se guider sur un certain nombre de lois d'évolution classiques qu'on trouve en biologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pourrez trouver ça dans la bibliographie. On va identifier, et ça se fait à chaque fois, on va identifier les puits potentiels d'innovation. C'est-à-dire, il y a des choses, soit qu'on a laissé tomber il y a longtemps, ou parce que on pensait que ça n'avait pas d'avenir, puis que maintenant ça pourrait avoir un nouvel avenir, soit on dit on n'a pas assez creusé là-dessus, maintenant, au vu des connaissances actuelles, on pourrait travailler là-dessus, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, c'est des experts qui peuvent le dire. On ne peut pas inventer à partir de machines, ou on ne peut pas inventer en mettant un processus abstrait. Il y a des gens qui doivent travailler sur une réflexion sur qu'est-ce qui a été fait et comment tirer, en fait, les leçons du passé pour préparer le futur. C'est bien ce que je disais, hein, c'est bien la dépendance du sentier. Alors, on fait ça par knowledge drilling. Ensuite, on fait donc de la créativité. C'est-à-dire qu'on va identifier des choses, on va faire marcher son analyse et ses capacités d'imagination. Et ensuite, à ce moment-là, on va faire de l'inventivité. Donc, il y a une différence, j'y reviendrai, entre créativité et inventivité. Créativité, on va dire, c'est une génération d'idées, une pure génération d'idées. Et là, on va la faire marcher par un processus que vous allez voir tout à l'heure, chaotique. On va la faire marcher à partir du patrimoine de connaissances, cette génération d'idées.
Et puis, en fait, bon, la génération d'idées en elle-même ne nous intéresse qu'à moitié. Ce qui nous intéresse, c'est que on puisse en déduire des choses concrètes qui sont susceptibles d'aller sur un marché ou de résoudre un problème ou de répondre à un besoin. Donc, à partir de ça, de cette créativité, on va faire de l'inventivité, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les idées qui sont susceptibles de faire de l'innovation. Donc on appelle ça des propositions innovantes, hein, c'est souvent ce qu'on écrit dans les roadmaps technologiques, par exemple. Et puis après, on va, donc, une fois qu'on a des idées, des propositions innovantes, c'est-à-dire parmi toutes ces idées qui sont sorties, on va retenir un certain nombre de propositions innovantes, on va se lancer dans la conception innovante. Et puis, nous, on va s'arrêter là, parce que la conception innovante, c'est la conception de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc, on a de la conception. On reste au niveau de la matière grise, hein, au niveau du produit immatériel. Et donc, on peut ensuite l'intégrer dans le patrimoine de connaissances et puis donner cette conception innovante au processus de gestion de l'innovation qui va en faire quelque chose jusqu'à l'amener à un marché. Donc, vous voyez deux phases. Une première phase un peu knowledge drilling à partir du patrimoine de connaissances. Et puis ensuite, une phase plus classique d'innovation et de conception innovante. Et puis ensuite, on peut donc donner ça au processus classique qui existe sur l'innovation dans les entreprises. Alors, l'intérêt de ce processus, c'est qu'il boucle, puisque on part du patrimoine de connaissances, on y revient en rajoutant de nouvelles choses, et ainsi de suite. Donc on a fait une sorte de boucle vertueuse de l'innovation. Donc ça, c'est la première démarche qu'on va mettre en place à partir de ce modèle. Knowledge drilling, innovation, créativité et inventivité. La deuxième chose, c'est ce fameux processus d'évolution chaotique de créativité. Alors nous, on appelle ça la créativité stimulée. Donc ce processus de créativité stimulée, il diffère des processus classiques. Parce que les processus classiques sont basés sur quoi? Alors le processus classique de créativité, alors quand je dis même classique, c'est beaucoup plus que classique, hein. Il existe des dizaines de variantes, c'est les choses de brainstorming, de remue-ménage, comme on dit en français. On crée des groupes de brainstorming, et puis on leur demande de réfléchir sur, justement, quand il y a un problème, donc dans une logique hétéronomique, ou peut-être autre chose. Hein, donc on est surtout dans une logique guidée par un problème, et on leur demande d'imaginer toutes sortes de solutions, et on n'a même pas le droit, enfin je ne sais pas si vous avez déjà participé à des séances de brainstorming, mais on n'a pas le droit de brider les gens, on peut dire n'importe quoi, et puis en plus il y a des tas de dispositifs qui font que vous pouvez être créatif. Moi j'ai vu des dispositifs, des salles de brainstorming où on pouvait écrire sur les murs, où il y avait des nounours, il y avait des jeux vidéo, enfin bon, toutes sortes de choses pour stimuler les gens et qu'ils aient beaucoup d'idées. Et qu'on note, enfin il y a des animateurs. Enfin disons que le brainstorming, c'est un processus de créativité qui est très maîtrisé par les entreprises. Et une fois qu'on a fait cette créativité un peu débridée, eh bien on va choisir quelles sont les idées qui peuvent être qui peuvent être innovantes, qui peuvent être réalisables, etc., etc. Donc on travaille sur un principe qu'on appelle divergence-convergence. Au début, on diverge, et puis ensuite, on converge. OK, ça, c'est la méthode extrêmement classique. Alors, il existe deux autres méthodes qui sont des méthodes de conception innovante. Hein. Même leurs auteurs de ces méthodes ne parlent pas de méthodes d'innovation ou de créativité. Hein. Ils parlent de méthodes de conception innovante qui sont basées sur des principes différents. Alors, il y a une méthode très connue dans le monde qui s'appelle TRIZ, sur lequel il y a même des mythes, des légendes, et il y a des groupes de travail mondiaux, des congrès mondiaux sur cette méthode. Alors, TRIZ, c'est un acronyme russe, puisque le père de cette méthode est russe. Et alors, je vais très rapidement donner l'idée. C'est de travailler
sur des idées existantes. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une théorie évolutionniste basée sur des connaissances existantes. Et ces connaissances sont matérialisées par des brevets. Donc, il existe plusieurs millions, voire, je ne sais pas, des dizaines de millions de brevets dans le monde. Et dedans, il y a des idées intéressantes. Et on pourrait trouver des réponses, essentiellement par analogie, avec notre problème à nous. Je vous donne un exemple vécu. Hein, c'est, par exemple, une entreprise de tuyaux pour l'industrie pétrolière avait un problème, je ne sais pas, de résistance à la pression, enfin, je ne sais plus exactement, c'est la dynamique des fluides, hein, de l'hydrodynamique, et cherchait donc une solution pour la résistance ou pour ces tuyaux. Et en faisant appel à ces bases de données de brevets analysées, on en sort les idées, on en sort des principes, etc. Et ben ils ont trouvé un principe qui pouvait les intéresser en cardiologie, parce que ce principe, ben, c'était la pression du sang dans les artères, et donc il y avait un principe de pression dans l'écoulement. Et qui pouvait être utilisé dans les tuyaux pour le pétrole. Donc ça, c'est un exemple très, très caricatural de la méthode TRIZ qui fonctionne donc par analogie. Donc on est là déjà dans l'évolutionnisme et puis en plus, on est dans une innovation fondée sur des connaissances, les connaissances tirées des brevets. Il existe une autre méthode créée en France qui s'appelle la méthode CK, Concept Connaissance. Donc vous voyez, c'est bien une méthode fondée sur les connaissances qu'on appelle la méthode CK. Elle s'appelle comme ça, que c'est toute une théorie sur la résolution innovante de problèmes. Et elle part d'une logique, d'un principe de base qui est l'expansion. L'expansion, donc on a une connaissance et puis on va chercher à étendre son domaine ou étendre cette connaissance pour ensuite travailler sur une reconvergence et vers une solution innovante. Donc, vous voyez les méthodes classiques. Alors la plus connue, c'est divergence-convergence. Alors celle-là, elle est très connue, elle est utilisée partout. Des méthodes moins classiques qui fonctionnent sur un certain nombre de principes, donc l'analogie ou l'expansion. Alors nous, ce qu'on va faire dans cette créativité stimulée, on va proposer un autre principe. Ce n'est plus de la divergence-convergence, parce que la divergence, c'est vraiment débridé pour nous. Et puis bon, justement, l'idée, c'est de dire oubliez tout ce que vous savez et laissez-vous aller. Non, on ne va pas dire ça. Nous, on y est au contraire. Regardez ce que vous savez, faites du knowledge drilling. Et puis, il va se passer quelque chose, donc un phénomène chaotique, et donc de l'émergence. L'émergence est caractéristique des phénomènes chaotiques. Je vous l'ai dit, il y a un chaos, un mouvement brownien, un mouvement aléatoire, et puis tout d'un coup, pour des raisons X, Y, il va émerger une structure stable ou quelque chose, il va émerger quelque chose. Donc c'est ce principe qu'on va utiliser, hein, c'est-à-dire on va créer le chaos, alors le chaos dans la tête des gens, hein, et puis à partir de ce chaos, on va pouvoir voir émerger quelque chose, et à partir de ça, on va faire de la convergence, et pour avoir une idée créatrice, une idée innovante. Alors, le schéma de cette créativité stimulée, c'est le schéma de l'évolution des systèmes qu'on a repris. L'évolution des systèmes, c'est une continuation de la théorie de Darwin, hein, qui essaye de montrer les principes de l'évolution d'un système vivant, et puis, plus généralement, d'un système au sens système général, comme j'en ai parlé dans le module 2, je crois que c'est ça, le module 2 de mon cours, hein, de théorie du système général. Et donc, il existe une théorie du système général et il existe une théorie de l'évolution du système général. Alors, cette théorie de l'évolution est schématisée sous le schéma suivant. C'est un processus en double boucle. Alors, il y a
Alors, je vais employer à la fois les termes en gestion de connaissances et les termes en évolution, en théorie évolutionniste. Donc, il y a des variations de structure. Hein, vous savez que l'évolution de Darwin, c'est des variations de structure. Puis, il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas, hein, suivant la sélection naturelle. Donc, il y a des variations et qui sont dues à l'influence de l'écosystème qui peut être interne, par exemple en interne dans une entreprise, ou en externe, quand on fait de la veille, qu'on a plein d'informations qui arrivent de l'extérieur. Donc il va y avoir de la création, donc des créations d'idées. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et sauf si le système est isolé. Si le système est isolé, il n'y aura pas de déclenchement de cette créativité constante. Mais justement, pour éviter ça, on va faire ce qu'on appelle... on va mettre de l'énergie dans le système. Et cette énergie, pour nous, ça va se traduire par ce qu'on appelle un stimulus cognitif. C'est-à-dire qu'on va stimuler les acteurs... justement par cette analyse du patrimoine intellectuel, par cette analyse du patrimoine de connaissances intangibles, par ce knowledge drilling. Et le knowledge drilling va nous fournir un stimulus qu'on va mettre dans le système, c'est-à-dire le système des acteurs de l'innovation, les experts pour nous, hein, puisqu'on est basé sur la connaissance des experts. Donc on va mettre en branle ce système de connaissances, essentiellement animé par les experts, et puis il va y avoir de la créativité. Mais vous voyez, elle n'est pas complètement débridée, parce qu'elle est guidée par ce stimulus cognitif, l'analyse des connaissances. Et puis, on va en faire une rétroaction, hein, une itération raisonnée, pour leur dire, ben voilà, finalement, ce processus de créativité, de variation, eh bien, on va le réguler par une boucle de rétroaction jusqu'à obtenir quelque chose d'émergent, quelque chose qu'on peut proposer, disons quelque chose de stable. Hein. Donc, on va faire une première boucle de stabilisation de la créativité comme ça. Et puis ensuite, on va essayer d'en tirer quelque chose d'innovant. Et pour ça, eh bien, on va en tirer ce qu'on appelle des capacités, donc des capacités d'innovation, c'est-à-dire on a des idées, et on va en tirer des capacités. C'est un terme, hein, on pourra très bien dire des idées innovantes ou des choses comme ça. On va les appeler des capacités. Et là, on va faire une boucle de rétroaction parce que ces idées innovantes, ces capacités, elles sont intéressantes si elles sont intéressantes pour l'entreprise. Donc, il va falloir faire une stabilisation de ces capacités par alignement stratégique, c'est-à-dire on va retenir les capacités qui sont uniquement alignées sur la stratégie de l'entreprise. Lorsqu'on fait des roadmaps technologiques, c'est exactement ça qu'on fait. Hein, on ne retient que celles qui correspondent aux besoins stratégiques de l'entreprise. Donc, vous voyez, deux boucles de rétroaction. Une boucle de rétroaction qui est, on va dire, qui est initialisée par un stimulus, donc ici, une énergie initiale qui est un stimulus cognitif, qu'on va faire par knowledge drilling. Et on va réguler ça avec les acteurs de la connaissance. Et ils vont sortir un certain nombre de connaissances, de compétences potentielles. Et ces compétences potentielles, on va les confronter à l'alignement stratégique. On va les confronter à la stratégie de l'entreprise et ne garder que celles qui sont vraiment susceptibles d'innovation. Alors bien sûr, il va en sortir... ça va sortir par émergence, et puis il va sortir du déchet, hein, des capacités non stratégiques qu'on va appeler, dans le modèle, ça s'appelle de l'entropie, vous voyez. Donc il y a l'énergie qui est l'énergie, on va dire, créatrice, et puis l'entropie, c'est la dissipation. Donc ça, c'est assez classique, hein, en physique. Quand on donne de l'énergie, ben, il y a de la dissipation de l'énergie, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc il y a une variation constante, puis après une stabilisation. Donc c'est ce processus, vous voyez, processus chaotique, qui est bien théorisé dans la théorie de l'évolution et qu'on va implémenter sur l'évolution des connaissances, vous allez le voir, dans les différents cas que je vais présenter ensuite. Je présente deux cas. Alors voilà donc le deuxième cadre théorique,
le deuxième cadre de modélisation dans lequel on va se situer. Le dernier, et vous le connaissez déjà, c'est on va s'occuper surtout, je reviendrai sur un autre module, l'innovation externe, on va dire l'écosystème d'innovation externe, mais là, ou du moins un certain écosystème externe, mais là on va surtout travailler en interne. Alors, quand je dis on va travailler en interne, on va travailler avec des gens à l'intérieur de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils ont oublié tout ce qui s'est passé à l'extérieur et toutes les connaissances qu'ils ont apprises en regardant à droite à gauche, en travaillant avec des collègues à l'extérieur, etc. Donc, quand je dis interne, c'est interne en termes physiques, mais pas en termes intellectuels. Alors, l'écosystème, ben, on va prendre le fameux système des acteurs, de l'information et de la connaissance, en le restreignant à notre problématique, donc le modèle AIK. Et donc, les acteurs de l'innovation, qui ça va être pour nous? Eh bien, ça va être les experts. Alors là, je suis désolé, mais on travaille beaucoup en gestion des connaissances avec des experts, parce que c'est eux qui détiennent les connaissances critiques de l'entreprise, il n'y en a pas d'autres. Et donc, on va travailler essentiellement, enfin beaucoup, beaucoup en tout cas, c'est eux les piliers de ce processus, enfin de cette méthode. Les experts des domaines, on va travailler avec des pairs hein, qui sont capables de lire ce qu'écrivent les experts, de critiquer. Et puis, bien sûr, pour ces histoires d'alignement ou de potentialité hein, pour l'entreprise, on va mettre des responsables de la stratégie technique, des responsables marketing. Et puis, éventuellement, on va le voir, des experts terrain, c'est-à-dire des gens qui sont au contact du client et qui disent bah, « votre idée, ça marcherait pas ou ça marcherait bien, au contraire, il n'y a pas de demande ou il y a une demande, ou oui, tiens, c'est vrai que ça correspond à quelque chose qu'on rencontre sur le terrain. » Donc, un retour d'expérience hein, venu du terrain. Donc, c'est tous ces experts-là hein, qui apportent de la connaissance sur des innovations potentielles. Alors, le deuxième système, eh bien, c'est le patrimoine tangible. Alors, il existe, bien sûr, pour l'innovation, un patrimoine documentaire, on va dire, très très connu et très utilisé, c'est celui des brevets. Hein, donc, toute entreprise grande entreprise, on va dire, qui se respecte, a un patrimoine de brevets. Et vous voyez, par exemple, dans Trees, on utilise les brevets pour faire de l'idéation, pour faire de la création d'idées. Hein? Donc là, on va utiliser ce patrimoine de brevets, bien sûr. Hein, c'est important pour faire l'historique des idées. On pourrait déjà regarder le brevet. Celui-là, il est bien géré, il est bien disponible. Hein, donc, par contre, il en existe bien d'autres qui sont beaucoup moins disponibles et beaucoup moins gérés. Par exemple, il existe en France un dispositif qui s'appelle le crédit impôt recherche. Et le crédit impôt recherche, donc, dispense un certain nombre d'entreprises d'impôts, enfin, fait des crédits d'impôt, dépendamment de leur capacité d'innovation. Bon, bien sûr, c'est très caricatural. Et pour justifier de cette capacité d'innovation, eh bien, il y a des documents qui sont écrits et qui fourmillent d'idées. On a appelé ça des documents d'invention. Ça ne s'appelle pas comme ça, c'est des justificatifs de je ne sais plus quoi. Mais il y a des documents extrêmement importants et ces documents, bah, ils sont utiles pour obtenir le crédit et on ne s'en sert plus après pour retracer l'historique, par exemple, des idées. Dans toutes les entreprises, il y a un grand nombre d'études qui sont lancées. Il y a des publications. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des centres de recherche, qui font des publications, mais même dans des publications métiers ou des publications spécialisées. Il y a des thèses, il y a des stages, etc. etc. Et tout ça, c'est un patrimoine qui n'est pas toujours bien géré. Hein. Je ne sais pas dans toutes les entreprises, mais dans celles que j'ai vues, en tout cas... il y a très peu de choses qui sont gérées d'une manière centrale, où on peut retrouver facilement les choses. C'est souvent dans les bureaux, dans les armoires, dans des services particuliers. Mais on a un patrimoine tangible, documentaire, qui reflète toute l'inventivité, on va dire, de l'entreprise. Donc ça, on va l'utiliser. Le troisième système, bien sûr, c'est les connaissances. Et les connaissances, donc on va appeler ça le patrimoine intellectuel intangible. Hein, le tangible, c'est celui qui est là-haut. Et l'intangible, alors en termes d'innovation, ce n'est pas toutes les connaissances, hein, c'est ce qu'on appelle en droit français les œuvres de l'esprit.
Alors, la notion d'œuvre de l'esprit, c'est une notion de droit français qui n'existe pas en droit américain, en droit anglo-saxon, qui sont donc créées par les acteurs et donc qui peuvent être, donc qui sont propriété intangible de l'acteur, mais qui peut ensuite faire l'objet, si on le transcrit sur un support quelconque, de transactions comme des droits de propriété ou des brevets. Alors, la différence entre le droit français et le droit anglo-saxon, bon, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est une différence plutôt philosophique, parce que dans le concret, on fait tous la même chose, c'est qu'on ne peut pas déposséder quelqu'un de sa création œuvre de l'esprit, de son œuvre de l'esprit. S'il a créé quelque chose, ça restera toujours à lui, on ne pourra pas le dire non, ce n'est pas lui qui l'a fait. Par contre, ça ne lui ouvre pas de droit, sauf s'il y a eu un écrit, il y a eu un brevet, un copyright ou des choses comme ça. Et donc, ce droit-là, donc j'ai copié le code de propriété intellectuelle, parlant de ça, hein, donc l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, vous voyez, parce qu'il crée, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Donc vous voyez qu'il y a la reconnaissance du créateur. Bien sûr, la reconnaissance matérielle, ça c'est autre chose. Mais il y a une reconnaissance, on va dire, morale du créateur. Alors il y a des procès célèbres là-dessus, hein, sur lesquels je ne reviendrai pas. Et on n'a pas la même conception, la conception anglo-saxonne. À partir du moment où on a cédé ses droits, on n'est plus propriétaire de rien. En France, on est toujours propriétaire, même si on ne peut rien en faire. Voilà. C'est comme ça. Alors, donc, entre ces sous-systèmes qu'on connaît bien, mais là qu'on a restreint au domaine de l'innovation, hein, on va avoir des flux qui sont toujours les mêmes, hein, qui sont l'expression et l'appropriation pour l'interaction entre les acteurs et le système d'information. Et puis, pour ce qui est de l'innovation, les flux entre les acteurs et le patrimoine intangible, eh bien justement, c'est ça qui va faire la différence entre créativité et inventivité. Créativité, c'est l'apport des acteurs en œuvre de l'esprit, au sens du droit français. L'inventivité, c'est la transformation de ces œuvres de l'esprit en idées susceptibles de faire l'objet de transactions, des droits de propriété, des brevets, des choses comme ça. Donc on peut distinguer de manière relativement claire créativité et inventivité dans le schéma AIK. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous pourrez regarder dans les écrits les distinctions plus approfondies, de manière plus approfondie. Donc on a donné un cadre de l'innovation. On a donné un cadre de réflexion et même des modèles sur l'innovation fondée sur les connaissances, knowledge-based innovation. Et maintenant, je vais vous montrer, je ne vais pas détailler tout ça hein, dans l'abstrait, je vais vous montrer deux études de cas qui illustreront un petit peu cette démarche.